C'est le jour du 23 août 2019 et vous arrivez dans votre appartement. Soudain, des événements étranges qui possèdent une nature paranormale commencent à se produire. Ces événements paranormaux semblent transcender les frontières de l'espace et du temps, car ces événements peuvent vous donner un aperçu de ce qui est encore à venir dans le futur. Faites l'expérience de ces événements paranormaux et voyez ce que demain vous réserve. Flashlight F, sans la douille. Ok. Donc là, oh là, on conduit. Là, on rentre du bahut. Là, on rentre du bahut. Le 23 août 2019. Oh là! New voice message received from Gail. Oui. Playing voice message from Gail. Hey Amanda, I was thinking maybe we should get together on the weekend to study for Monday's exam. I don't know. I was thinking maybe we could go to a coffee place and. Je vais me prendre un accident. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre. Oh les problèmes! Ah bah ça y est! Ah bah ça y est les problèmes! Y'a quelqu'un? Oh là là! Ah ça commence! Oh là là! Merci beaucoup Émilie pour ton réabonnement. Troisième mois, sainte mère, les 3 mois, merci beaucoup! Je vais remonter dans la bagnole. Mais elle est foutue ma bagnole. Attends, j'ai fait une petite queue de poisson là. Ah non, je suis quand même. Ok, bon bah j'ai quand même pu me garer et tout. Je pensais que ma bagnole elle était foutue. Alors moi j'ai un gros problème par contre, c'est que ça m'angoisse fortement les jeux où on marche en canard. Y a quelqu'un? Parce qu'elle est pas. Elle est pas choquée là de. D'avoir écrasé quelqu'un? J'ose pas me retourner. Allez, adieu. Ah oh, putain, adieu. Mène-toi le cul. Oh là là. Sainte mère, reculez. Oh putain. Oh là 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 là. Ça y est. Oh non! Arrêtez! Il y a trop de problèmes électriques dans cette baraque! Il y a trop de problèmes dans cet appartement, ça va commencer, enfin dans ce bâtiment-là. Bon. Il s'est passé des trucs bizarres ce soir. Donc clairement notre perso il est en mode je vais me coucher. Ok, il y a la cuisine. Mais là on va être en mode go to sleep. Allez hop, on va dormir. On a quelques. Mais ça nous fait exactement pareil. Dans la voiture, on avait exactement le même souci. On avait ces artefacts-là qui apparaissaient à l'écran.
Amanda, are you coming home next weekend? Amanda, are you coming home next... Donc la mère est en train d'écrire, mais nous, on répond pas. Donc Amanda, je t'ai appelé et je t'ai envoyé des SMS pendant 2 jours, et genre, tu réponds pas. Où es-tu? Est-ce que tu vas bien? S'il te plaît, appelle-moi. Merci beaucoup, Justine, pour les 5 euros, parce que tu mérites en nous faisant passer des bonnes soirées. Merci beaucoup, c'est gentil. Des gros bisous. Merci infiniment, ça fait grave plaisir. Merci pour le soutien, c'est gentil. Alors, là, il y a un petit problème. Oh non, moi, c'est bon, allez vous faire voir. Non, mais là, il fait noir en face, c'est bon, moi, j'y vais pas non plus. Non, moi, ça me fait peur, arrêtez, là! J'ai trop peur de prendre un scream. Non, moi j'ai peur. Les gars, j'ai peur. Je sais pas quoi faire. Oh, je sais pas quoi faire. Non, non. Non, non. J'ai pas envie d'aller là-bas. C'est la porte, hein. Ouh. Arrêtez, me touchez pas. Me touchez pas, s'il vous plaît, me touchez pas. J'ai rien fait. Gail, it's me. Gail, du coup, c'était le coloc. Donc, Gail, c'est moi. Martha, la mère d'Amanda. Est-ce que tu sais où est Amanda? Elle ne répond pas à son téléphone depuis 2 jours. S'il te plaît, si tu sais quoi que ce soit, appelle-moi au 258 456 47 80. J'ai cru que c'était Uber Eats. Je suis dégoûtée. Arrêtez! Oh là! Oh, et moi j'aime pas les trucs quand ça saute à l'écran, hein! Oh là là, la vie de recherche! Amanda Graham! La dernière fois. Enfin, elle a été vue la dernière fois à l'extérieur de l'université d'Harvey le 23 août. Bon, elle avait un top blanc, quoi, et un short en jean. Elle a les yeux marrons. Des cheveux foncés. Elle a 22 ans. S'il vous plaît, contactez Martha Graham. Martha Graham, qui est la daronne hein, d'Amanda. Alors les gars, j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un. S'il vous plaît, ne me touchez pas. Non, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Ah non, putain, ça m'énerve. Ça me stresse, arrêtez. Ça me stresse. Les conneries, là, j'en peux plus, là, ces jeux comme ça. Foutez-moi la paix et allez vous acheter une vie. Moi, je suis angoissée, c'est bon. Là, je peux pas. On va me courir dessus, là. On va me bousiller. Arrêtez. Oh, la flashlight. Oh, ben, une petite lettre, hein. Oh, le body, le corps retrouvé de la jeune femme. Super. Corps retrouvé de la jeune femme, la police a cherché Amanda pendant 2 semaines. Amanda, roommate 24 years old, Gail. Ok, blablabla, blablabla, blablabla. C'est Gail, du coup, qui a trouvé le corps d'Amanda? Le corps a été retrouvé inside closet of Monsieur Roger Room. C'est genre dans le placard, enfin le truc à vêtements, quoi. Oh, les gars, j'ai envie d'enlever mon casque. Je suis dans mon froc, je suis pas bien. Oh là. Calm down, hein, calm down. Oh là là, faites pas les cons, mais faites pas les cons. Au nom du fils, du père et du lapinous, reposant en paix. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est Gail qui a caché le corps. Par contre, il y a quelqu'un en face. Moi, je dis ça, je dis rien. Il y a quelqu'un en face. Hein. Et puis celui-là, je pense pas qu'il veut bouffer Uber Eats. Hein. C'est pour les sushis. J'en ai commandé 2 paquets. Vous les posez devant la porte et puis c'est bon, barrez-vous. Hein, j'ai payé. Hein. Avec l'application mobile, c'est super. Foutez le camp.
Il y a quelqu'un, je vous dis, me dites pas jouer. Il y a quelqu'un. Oh, j'ai peur. Ta mère. Mais recule, démon. Hein. Recule. Laissez-moi voir, s'il vous plaît. Allumez, allumez. Oh là là. Oh là. Oh, je vais me prendre un screamer. Oh, l'aller-retour, je vais bouffer. Aller-retour, aller-retour. Ramenez Martine à la maison. Ah. Ah non. Ah non, 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 non. Moi, ça m'angoisse. J'ai un problème avec les jeux d'horreur. Ah. Elle va me gueuler dans les oreilles. Ah, c'est sûr. Attendez, ouais, je baisse un petit peu, je baisse un petit peu. Arrêtez. Ne me touchez pas. Arrêtez! Not fate! C'est quoi? C'est genre, c'est pas ta faute? Oh non! Non, 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 je me retourne pas! Ah! Il fait nuit noire! Y'a quelqu'un? Ah, oh! À la mémoire d'Amanda! D'accord! Ok, yo! Ah, ah non, j'ai peur, arrêtez. Et putain, mais j'en peux plus, c'est toi du courage qu'il ira au bout d'un moment quand même. C'est quand même pas possible. Quelqu'un? Oui, il va y avoir quelqu'un. Y'a quelqu'un? J'en peux plus. Oh, la porte de droite avec le sang. Ah. J'y vais. Elle va me bouffer! Elle va me bouffer! Elle va me retourner! C'est sûr! C'était pas Uber Eats, j'étais sûr, putain! J'y vais! Ah, ne me touchez pas! On peut discuter! Ça va? I'm ok! Je n'ai pas peur! I'm ok! Je vais ouvrir les portes et ça. Gail Roger, oh, 25 ans de prison. Donc c'était le colocataire qui a buté Amanda. Oh, il était obsédé par Amanda. Il était amoureux d'elle, mais il était obsédé. Amanda is you. Elle va me bouffer. Oh là là, moi je vais finir en... Je vais me faire bouffer. Il y a quelqu'un en face, non? Il y a pas quelqu'un en face. J'ai envie de crever, j'en peux plus. Oh là là, mais c'est pas possible ce... Mais c'est bon, hein? On peut discuter. Vous savez, on n'est pas obligé de poignarder le premier venu, hein? Putain. Y'a quelqu'un. Y'a quelqu'un en face, je vous dis. Je vais aller le voir. Y'a quelqu'un. Ne me touchez pas, hein? Je viens vous voir, ne me touchez pas. Je vais passer par là, moi. Je vais passer par ici, ça sera très bien. Je me dis qu'au bout d'un moment, quand toutes les portes seront verrouillées... Le téléphone. Allez aux polices. Je crois qu'un crime est en cours. Ah, qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, bah oui, bah. Stop the madness. C'est quoi stop the madness? Ça veut... Stop la folie, quoi? Genre en mode stopito, on arrête tout? Parce que moi, je suis pas... Je suis pour, hein. Oui! Putain de merde, pardon. J'en ai marre, là, au bout d'un moment, hein. S'il y a des spectres dans cette baraque, c'est pas mon problème. Ah, oh, mais j'en peux plus, moi. Non, mais là... On arrête le tir. Arrêtons tout. Arrêtons tout. Hop là, c'est pas mal ici. Ah, c'est bon. Mais je vais où? C'est bizarre cet endroit. Est-ce que je suis revenue à la maison ou est-ce que c'était juste un cauchemar? Mais non. Oh là là. Non meuf, t'es vraiment morte. Moi je pense qu'on a Amanda. Je pense qu'on a Amanda. C'était pas un cauchemar. C'était pas un cauchemar. Et on n'habitait pas là? On n'habitait pas là? Merci Mathieu pour ton troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Coucou Mighty, comment tu vas? Oula. C'est qui? Je sais pas où aller là. Mais attends, mais ça se fait buter là. Mais je... Oh! Oh non. Oh non. Ça recommence. Ça recommence. Oh, s'il vous plaît, arrêtez. J'ai pas payé le jeu pour avoir peur, moi, hein. Je suis pas bien. C'est Kiki. Voilà la porte, moi. Je suis sûre qu'au bout d'un moment, je vais avaler ma salive de travers et je vais crever en direct. C'est sûr que ça va m'arriver, le taux de proba est trop élevé. Hein. Y'a... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Le docteur a dit, ma true is therapeutic and my help with the trauma.
Le docteur m'a dit d'écrire. Je crois que c'est ça, que je devais écrire. Et du coup, c'était que ça pouvait l'aider pour son traumatisme. How much more can I handle after losing my daughter, après avoir perdu ma fille? Ah mais attendez, on est la mère en fait. Non, attendez. C'est la mère qui parle. Après avoir perdu ma fille, qui a été tuée, hein. Ça a été une horrible tragédie. Mon mari était très souvent absent. La mort de ma fille l'avait dévastée. Et elle était dévastée elle aussi. Elle a essayé I try to move forward in life with my son Dylan. Comment on dit? Elle a essayé d'avoir comment on dit? Genre une meilleure vie avec Dylan, non, je sais pas comment le dire. Of course the death. Donc la mort de déménager. Elle a essayé de tourner la page, Dylan. La mort de sa sœur a énormément affecté Dylan. Ah bah en plus, il avait 18 ans, quoi. But at least I still feel me, unlike my husband. Try in our death to still give emotional support to this family. Still my son behavior. Donc son gamin a commencé à changer. Ah oui, il est devenu vraiment différent. Et genre, il a arrêté de parler, c'est ça, le bail? Le frérot, il est devenu chelou. Le frérot, il a buté la daronne, hein, ça se trouve. Hein. Ça se trouve, vous avez vu, je m'améliore un peu en anglais. Hein, oui, effectivement. Je suis pas peu fière de moi, je m'améliore un peu. Donc le frérot, il est devenu chelou. Là, je vais me retourner, il y aura Martin. Il était comme ça le cadre ou il a bougé? Qu'est-ce que je suis censée? Il faut arrêter, hein. Ah, la lettre là, je ne l'avais point lue. Je l'avais pas lue. Attendez, c'est pas la même, si? Oh là là! Donc son mari s'est réfugié dans l'alcool. Oh là là, aside from being absent in your family life. Donc le père absent qui se réfugie dans l'alcool. With alcohol like he once used to. His own old. Vous avez pas entendu un bruit? Ok, donc. Donc, on est d'accord, tout le monde a entendu un bruit? Ok, ça me rassure du coup. Ça me rassure. Donc, en gros, le mari s'est réfugié dans l'alcool, ça ne va pas, elle aimerait que tout aille mieux, mais c'est pas le cas. Oh putain. C'est le frérot? So today I found out that my son is doing... Ah bah ça y est. Ça y est, voilà, l'enfant qui se drogue. Ça y est, le frérot qui se drogue. J'ai l'impression d'entendre des trucs. Hein. Oh, le gamin est clairement en train de se tuer lui-même.
La mère, elle est en dépression. Bon, la famille est détruite. La famille est détruite. Hein. Oh là là. Alors, on me dit la mère a essayé de parler au meurtrier d'Amanda, mais le père ne veut pas et rejette la faute sur la mère. Je pense que le gamin, il a dû se foutre en l'air. Oh putain. Maman, c'est toi ? La mère, elle s'est foutue en l'air. Je pense que quand la famille, elle est brisée de ouf. Hein. J'ai trouvé quelque chose... I sometimes. Parfois, je vais dans la chambre d'Amanda. Et elle essaye de trouver du réconfort. Et cette chambre, bah, lui rappelle... ça lui rappelle qu'elle est là, quoi, tu vois. Oula, attendez. Merci beaucoup Marjorie pour les 1000 bits, petit cadeau que tu mérites tellement. Tu distribues du bonheur et des frissons à tout le monde. Merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Oh là là, c'est gentil Marjorie. Merci infiniment pour les 1000 bits, c'est trop gentil. Bah, j'essaye de vous passer, de vous faire passer un bon moment et que vous kiffiez. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci infiniment Marjorie, des gros bisous. Merci pour les 1000 bits. Merci beaucoup. Donc... elle pense avoir vu Amanda marcher dans le hall. C'est bien ça? Elle a entendu des bruits de pas dans la maison. Mais elle est toute seule. Et elle sent qu'il y a un esprit qui la suit. Merci beaucoup au chômage pour les 44e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Sans la grosse merde. La chambre de droite est ouverte. Ça, c'est le daron. I spoke to my husband about the day I saw Amanda and of course she's insane. Bon, elle a expliqué en gros que ce qui se passait, hein, qu'elle entendait genre des bruits de pas et tout bordel et qu'elle pensait que c'était Amanda. Et son mari, du coup, l'a traité de folle, hein, bien évidemment. Bon, il refuse en gros toute discussion en rapport avec Amanda, les frites, enfin la confrontation, c'est mort quoi. Oh là, ça a parlé de divorce. Oula, alors attendez. Là, j'ai pas compris la dernière séquence. He rented an apartment for himself and barely see him or talk to him. Je n'ai pas compris cette séquence. C'est quoi, du coup? Il s'est barré? Il s'est taillé, du coup? Ah, mon capteur, il s'est figé. Attendez. Il s'est mis à l'appart. Ok. Et ne la voit plus. Il est loin d'appart pour lui. Et on ne se voit plus ni se parle plus. Ok. On va prendre un gros jumpscare sa mère. I gotta find a way to get out. C'est quoi, je dois trouver un moyen de partir? Il y a le pilulier là.
Je dois trouver un moyen de partir. Le cadre. Je vais éteindre la lumière. Je peux pas. Comment je peux trouver un moyen de partir ? Avec tous les médocs qu'il y a, tu me diras. Ah, une clé. Ok. Ça, c'est pas bon, ça. Je le sens grave mal. Donc j'imagine que j'ai une clé à trouver. Le notebook. Ok. J'ai la clé. On va y aller, hein. Oh l'angoisse. What? Oh je l'ai pas bien vécu là. Ok autant pour moi la porte elle est ouverte. Oh, much longer, oh, much longer. Oh, much longer, c'est genre pendant combien de temps? Encore pendant combien de temps, c'est ça? Arrêtez la folie. Will it ever stop? Ça s'arrêtera donc jamais, genre un truc du bail, non? Oh! Je ne peux plus, ok. Attends, attends, de quoi? Oh putain, il est à côté de moi. Oh, j'ose pas y aller. Father of murdered roommate commit suicide. Arthur Graham found dead in apartment. Le père du tueur a été retrouvé mort dans son appartement? Le père du tueur? Ou le père d'Amanda? Ah voilà, non, c'est le père d'Amanda. Oui, voilà. Et il est à côté de moi, le gars. Hein. J'ai pas envie de lever la tête. Hein. Il s'est suicidé. Oh là 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 là. Il s'est pendu le mec. Bon là on a un problème. Hein. Amanda, can you read my text? Amanda, est-ce que tu peux lire mon message? Yes. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui va pas? Oh, I can't believe it. Je peux pas y croire. C'est surréaliste. Est-ce que c'est vraiment toi, Amanda? Qu'est-ce qu'il y a? T'as disparu. Will never speak to you again. J'étais à tes funérailles. Merde, j'ai pas eu le temps de lire la fin. Mec, j'ai pas eu le temps de lire la fin. C'était quoi la fin ?